Je suis en direct. Ben, en fait, j'avais envie de partager ici avec vous sur quoi je travaille ce samedi soir. Je prépare le challenge de 21 jours qui commence demain. Et tu t'es peut-être inscrite ou peut-être pas. Ben, les portes sont fermées, donc c'était trop tard. Mais j'avais envie de partager comment se passe ma vie. Je pense que beaucoup de gens se disent, oh, le samedi soir, je vais peut-être aller, je sais pas moi, faire quelque chose. Ben non, moi, je suis en train de préparer ce cours et j'ai donc écrit, tu sais, les 21 leçons et je suis en train de préparer tout ça sur mon site web, etc. Et donc, je me suis dit, peut-être que toi, tu as envie de participer un tout petit peu. Et là, dans une des leçons, il y a 21 leçons, mais vraiment les unes plus belles que les autres, je trouve. Et on va aussi danser. Donc, moi, comme tu sais, que je suis professeure de danse orientale et j'adore danser et j'adore mettre les ceintures. Ah, tu les vois pas là. Pas évident avec cet écran ici et mon ordinateur. Je sais pas comment on va faire. Ah. Tu vois quelque chose? Toujours pas? Difficile, difficile. Mettre sur la pointe des pieds. Pourquoi ça marche pas? Non, ça veut pas tenir. Ok. Eh bien, tu vois, j'adore les ceintures de danse orientale comme ça. Et donc, dans une des mouvements qu'on va faire, donc on travaille sur l'approche du corps étant notre temple qui héberge notre âme, donc le temple du sacré, et d'approcher cela. Mais personne n'a dit que ça ne pouvait pas être joyeux et lumineux. Et on va donc faire des huit et des cercles. Et j'avais envie, si ça voulait bien, cette caméra ici, elle est un peu plus bas. Moi, c'est ma webcam qui ne veut pas là. Peut-être là comme ça. Ah, bien, maintenant c'est coupé ma tête. C'est pas grave. On veut plutôt voir ici ma hanche. Trop drôle tout ça. Et donc, pour faire un huit de ce qu'on appelle dans la danse orientale la Maya, ça m'embête quand même que ma tête est coupée. La technique, on s'en fout. Hein. Toi, tu veux savoir comment on fait ça. Donc, en fait, tu vas ici pincer les muscles et descendre. Pincer, descendre. Pincer, descendre et faire comme ça un 8. Hop. Et tu peux le faire dans l'autre sens. Essaye un peu. Alors, en faisant ça, tu dois tirer sur les muscles ici et là. Et là. Et donc, ça, c'est la version vraiment, vraiment simple, mais peut-être pas simple pour toi. Ouais. Ouh, la technique. Donc, ici, hop, hop, c'est mieux quand on voit ma tête quand même. Hop, 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 et dans l'autre sens. Et donc, on va faire ce genre de choses. Un 8. Pourquoi un 8? Parce que les 8 et les cercles, quand tu regardes que tout l'univers tourne, à ce moment-là, tu sais que nous, on a dans notre corps aussi une géométrie sacrée. Et tous ces mouvements-là font extrêmement du bien, tu rajoutes à ça la musique et c'est joyeux. Et c'est bon pour ton corps. Et surtout pour nous les femmes, c'est certainement bon de bouger la hanche parce que tous nos organes sont irrigués à ce moment-là et ça bouge ici. Et les muscles sont aussi travaillés, ces muscles internes et c'est magnifique. Donc voilà, bah, j'avais juste envie de partager ça. Ce soir, je ne sais pas ce que toi tu fais ce soir, où est-ce que tu es, mais si tu regardes cette vidéo, bah, tu peux essayer ce 8 et puis tu me diras ce que tu en penses. Et moi, je continue à enregistrer mes leçons pour le challenge de 21 jours. Alors ne sois pas triste si tu n'as pas pu rejoindre ce challenge. Tu peux toujours te mettre sur ma mailing list, tu reçois un mini cours
qui t'apprend les trois gestes que tu dois savoir en tant que femme pour pouvoir te rapprocher du féminin sacré, mais aussi pour protéger ton espace sacré. Et à ce moment-là, quand je vais lancer à la fin du mois, je travaille déjà sur mon prochain cours et sur un prochain événement que tu vas pouvoir participer. Bah, si tu es dans ma mailing list, à ce moment-là, tu vas être absolument au courant. Et c'est magnifique, c'est quelque chose de tout nouveau sur lequel je travaille. Mais d'abord, je dois finir mes 21 leçons pour mon challenge qui commence demain. Donc oui, tu peux plus t'inscrire, mais ça sera pour une autre fois. Bonne soirée!